Ils étaient nombreux à venir chercher leurs sacs de compost sur la place du Soldat Inconnu. À l'occasion de la semaine de l'environnement, la ville de Calais a proposé une action pour le moins originale. Chaque Calaisien qui venait avec un sac poubelle de produits d'emballage pouvait obtenir gratuitement en échange un sac de compost. Dans une démarche éducative, le sac a été inspecté par un ambassadeur du tri. Avec la personne, il a épluché le contenu afin de déceler d'éventuelles erreurs de tri. On trie avec eux, s'il n'y a pas d'erreur, on les félicite. Et puis s'il y a des erreurs, on leur donne des consignes d'emballage pour leur expliquer ce qu'il ne faut pas mettre dans le sac d'emballage. Souvent, ils mettent tout ce qui est plastique dans la poubelle jaune en fait. On leur dit que c'est principalement bouteilles et bidons plastiques. Mais eux, ils mettent. Parfois, on retrouve pas mal de barquettes, de films plastiques, etc. dans la poubelle des emballages, la poubelle jaune. Cette action s'est déroulée pour la deuxième fois à Calais et a plutôt remporté un vif succès. Quelques 18 tonnes de compost achetées par la ville au Cévadec ont été distribuées. Cette opération de sensibilisation semble porter ses fruits puisque le compost 2012 semble être de meilleure qualité que l'année passée. Moins de présence d'intrus comme le plastique ou les mégots par exemple. Le rendez-vous est déjà donné l'année prochaine avec, il faut l'espérer, un compost encore meilleur.